Les Apaches, c'était un gang autour de 1900. C'était après tout la façon dont on dénommait les petits voyous des rues qui avaient des destins fracassés, comme ça, qui disparaissaient très jeunes et qui étaient à la fois des dandys qui se mettaient en scène dans le crime. Et ces Apaches ont évidemment disparu autour de 1918, mais ils ont absolument fasciné la scène. Et il y a vraiment pour moi un rapprochement à faire entre le fait d'être un voyou et le fait d'entrer en scène. Pourquoi on entre dans cette fiction-là et pourquoi à ce moment-là? Le spectacle donne à voir l'intimité des loges et tout ce qui a lieu de rituel, d'attente, d'illusion et de désillusion juste avant d'entrer en scène. C'est-à-dire juste, on sait que on doit franchir le pas, on va y aller. Et évidemment, il y a toute la mise en œuvre de la vie de la loge, de la vie des loges, de la coulisse, et puis ça, cet instant de rupture, comme ça, ce saut, et cette interrogation autour du saut. Et donc le spectacle Les Apaches, c'est après tout, pourquoi ce déclassement-là? Et surtout, pour les femmes, le musical représentait aussi ce déclassement social et cet effort cette aventure de liberté totale que ça supposait. Donc on va se retrouver dans des loges, dans une espèce d'univers confiné, entre les costumes, les rituels, les fantômes aussi, parce que dès qu'on parle de théâtre et de musical, on parle aussi de ceux qui ne sont plus là et qui ont laissé des traces. Et donc on va les faire revenir, et puis évidemment la bascule sur la scène et ce qui se passe quand il y a aussi sur scène ce numéro qu'on appelait de Danse Apache, qui reprenait la mise en scène de ces jeunes voyous qui étaient évidemment des souteneurs, et il y avait des beaux personnages comme Casque d'Or. Et donc la scène va devenir aussi l'arène de la lutte des genres. Et au travers de numéros de musicals et de danse, on va voir s'affronter le masculin, le féminin, et tous les déplacements de ce masculin et de ce féminin. Évidemment qu'il y aura des numéros, et il y aura des illusions, des désillusions, des moments de virtuosité, des moments de désarroi, et comme toujours, des personnages extrêmement fragiles, comme je les aime, et comme ceux qui me hantent. Mais cette fois-ci, il y a l'éclairage de tas de lectures, et particulièrement celle de Colette, de Claude Carin, de Mireille Havet, de toutes ces femmes du début du XXe siècle qui en sont passées par la scène et par le déclassement social pour aller vers la liberté. Dans cet univers de loges et de scènes et de petites scènes, il y aura évidemment les acteurs, danseurs et acrobates là comme ça qui vont donner de leur vie sur l'instant, à vif comme ça. Mais il y a aussi parmi les fantômes des surprises de ceux qui reviennent, et ce dialogue entre ceux qui sont là sans être là et ceux qui bataillent en chair et en os là sur le plateau, ça me plaît beaucoup de raconter ça. Pourquoi on monte un spectacle? C'est parce qu'on est obsédé. On est obsédé par des images, on est obsédé, et vous ne faites que rencontrer pendant un an. Des signaux parce que vous voyez des tableaux, des œuvres de gens qui vous ont précédé, et tout d'un coup, il y a un réseau de choses qui font que ça s'impose. Ça s'impose plastiquement d'abord. Mais ça, c'est. Et puis parce que c'est une interrogation qui nous taraude de toute façon. Pourquoi on y va à chaque fois? Pourquoi on se dit. On a si peur après et on se dit, mais non, mais attends, c'est terminé, et puis non, et on y revient, et il y a quelque chose de cet entêtement du théâtre, de cet entêtement de la scène, qui est absolument important de montrer, et puis aussi du côté hétéroclite de la scène, c'est-à-dire que le théâtre, c'est aussi le frottement de tous ces êtres qui a priori, ne sont pas faits pour être ensemble, et qui donnent quelque chose à la fois de rhapsodique, et tout d'un coup donnent l'idée de quelque chose de total. Et qui se défait aussi tout de suite après. Et voilà, donc c'est. Et puis c'est des personnages très fragiles, voilà, qui m'ont toujours accompagnée et que j'essaierai d'honorer et de raconter le plus longtemps possible.